L'art égaye votre vie par tous les temps. Regardez la météo avec Citroën C1 JCC+. Série spéciale dessinée par Jean-Charles Castelbajac. Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo des conditions plutôt bien ensoleillées ce lundi matin sur l'ensemble de la région. Quelques passages nuageux sans conséquence, plutôt vers Beauvais ou encore vers le Hainaut, Cambrésis, Avesnois. Température au lever du jour comprise entre 10 et 12 degrés, comptez 11 degrés pour Saint-Quentin. Pour votre après-midi, on va conserver du beau temps sur Saint-Quentin et les températures de votre après-midi qui varieront de 15 jusqu'à 16 degrés. On restera cette fois-ci au-dessus des normales de saison. 16 degrés pour Lille, on devrait avoir en cette période de l'année plutôt 13 à 14 degrés. 16 degrés également pour la partie littorale. Pour votre journée de mardi, malheureusement, les conditions vont se dégrader avec cette perturbation qui aura pour conséquence d'apporter des précipitations localement assez soutenues. On attend des cumuls de précipitations entre 10 et 20 mm en moins de 24 heures. Ces précipitations finiront par s'imposer également vers Château-Thierry avant la soirée et les températures de votre après-midi qui repasseront cette fois-ci sous les normales de saison, principalement vers l'Avesnois, 12 degrés pour Maubeuge, 15 degrés tout de même pour Lille, 14 degrés pour Boulogne-sur-Mer. Enfin, pour la journée de mercredi, eh bien c'est plutôt réjouissant. On va retrouver progressivement notre anticyclone, par conséquent c'est le soleil qui s'imposera. Malgré l'ensoleillement, les températures resteront bien basses pour la saison, des valeurs comprises entre 12 et 13 degrés. Au meilleur de l'après-midi. En ce lundi 9 novembre, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. L'art égaye votre vie par tous les temps. C'était la météo avec Citroën C1 JCC+. Série spéciale dessinée par Jean-Charles Castelbajac.